Allez, bonjour tout le monde. Alors, toute nouvelle vidéo, comme vous pouvez le voir dans le titre. Alors là, on va parler de la semaine qu'on va avoir, qui va être particulièrement agitée. Avant de parler de ça, je voulais faire une petite parenthèse. On a bien eu de la neige le 25 décembre, c'est tombé abondamment, mais malheureusement, cette neige n'a pas tenu. Enfin, elle a tenu très temporairement au niveau des températures, c'était 2-3 degrés, c'était un peu de la neige roulée, des trucs comme ça, mais bon, voilà. Fermons la parenthèse, mais bon, on a quand même eu des bonnes chutes de neige assez modérées, donc voilà. Bon, là où je vous zoome, c'est les monts du Lyonnais, les hauteurs de Lyon qui culminent à 800 mètres d'altitude, voire un peu plus. Là-haut, on a eu jusqu'à 10 cm à Saint-Martin en haut, tout ça. Après, là-bas, il y a les monts du Pilat, on y voit un peu moins parce que c'est un peu plus loin. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? Il va y avoir un défilé de perturbations qui va être particulièrement actif. Il faudra s'attendre à des vents tempétueux, des fortes pluies et ainsi que des fortes chutes de neige. Météo France pour les prochains jours a même dit qu'on allait passer en alerte orange le Massif Central, le département de la Corrèze et les départements voisins, quelques départements voisins. On pourrait avoir jusqu'à 50 cm, voire très localement 60 cm. Des 1200 mètres d'altitude, donc il faudra se montrer particulièrement prudent. Voilà, ainsi il y a aussi les Alpes du Sud. Là, on pourrait avoir les mêmes quantités de neige, mais à plus haute altitude, vers les 1800 mètres d'altitude. Donc il faudra être extrêmement prudent. Aussi, on pourrait avoir des chutes de neige un peu de partout en France, mais ça nécessite, il n'y aura pas besoin d'une alerte orange. Mais on pourrait avoir des petites couches à assez basse altitude, voire en plaine. Donc voilà. Aussi, il y a les vents violents. Une tempête, ils l'ont baptisé Bella. Une tempête qui est une tempête, on va dire, basique. Puisqu'on pourrait avoir des rafales jusqu'à peut-être 130, voire 140, même très localement 150 km/h sur les côtes normandes et bretonnes. Dans les terres, on pourrait atteindre 120 km/h. Par le communiqué spécial, ils sont déjà en alerte orange. Il y a la Manche, il y a aussi quel département? Il y a la Manche et soit le département du Pas-de-Calais, soit le Nord. Donc après, pour plus d'informations, il faudrait aller voir le communiqué spécial. Donc on pourra avoir, comme je vous le disais, des vents violents, des chutes de neige, même tempête de neige, on pourrait parler, et des fortes pluies. Donc il faudra être assez prudent. Ainsi que, ils annoncent des chutes de neige un peu toute la semaine, voilà. Dès 2000 mètres d'altitude sur les Alpes du Nord et du Sud, on pourrait atteindre des couches de 2 voire 3 mètres de neige au-dessus de 2000 mètres d'altitude en une semaine, parce qu'on attend des chutes de neige non-stop et abondantes avec des températures glaciales. Donc voilà, et ainsi que le vent du Nord qui pourra souffler de façon modérée, qui donnera un ressenti jusqu'à qui sera extrêmement glacial. Donc voilà. Et on pourrait, ces chutes de neige pourraient déborder un peu de partout en plaine en France. On pourrait même avoir une alerte orange, après ça sera à voir. Au niveau des températures, ça se comprend vu qu'on sera en dessous de 0 degré certains matins. Voilà, même souvent. Et l'après-midi, au plus chaud de la semaine où je suis, on pourrait avoir jusqu'à 6-7 degrés. Au plus chaud, hein. Donc ce n'est pas rien. Donc, comme je vous le disais, il faut aller voir sur le communiqué spécial pour plus de précision. Même par les météos les plus fiables, Météo BFM, BFM TV, Météo France, Météo Blue, c'est des météos très très fiables, ils en annoncent, avec des températures en dessous de zéro. Donc là, autant vous dire que ça va faire une bonne petite couche. Ouais, on pourrait s'attendre à 5, 10, voire 15 ou 20 cm localement. Après, tout dépend où on est, mais là, je vous parle de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Là, on pourrait avoir des couches assez significatives en pleine, voire à basse altitude. Donc, il faudra être aussi prudent. Regardez-moi ça, on voit les monts du Lyonnais. Je vous les zoome. C'est assez beau. Donc, voilà. Bon, après, il y aura plein de petits points comme ça, vu que ça va être une semaine assez perturbée. Il faudra s'attendre à une amélioration pas avant le 11 janvier. Donc autant vous dire que ça va être une semaine de fou. Donc voilà. Allez, si vous avez aimé ce petit point météo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.